1961. Je travaille toujours pour le gouvernement du Portugal. Voyons voir s'il y a des étudiants corrompus ici. Moi, après mes études, j'ai voulu garder aux États-Unis. Ah, la richesse, le végétariat. Voilà un jour, pour la liberté. Viva la liberté, liberté. Oui, l'opératrice. Oui, l'armée, s'il vous plaît. Bonjour, général. Oui, c'est votre espion. Dès que tu peux rêver, je suis allé dans le bar. Oui, deux jeunes révoltés. Ils ont fait un toast pour la liberté. Amenez vos hommes et votre troupe. Nous allons les coincer. Au revoir. Aubergine, deux cerbois. Aubergine, je te perds, les deux sont pas là-dessus. Vous êtes des étudiants, n'est-ce pas? Oui. On vous embarque. Qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez levé un toast à la liberté. Ça vous coûtera cher, mes amis. Ici, on est tous portes à gare. Allez, on passe. Ces deux étudiants portugais ont été condamnés à 7 ans de prison pour avoir porté un toast à la liberté. Moi, l'avocat Peter Benenson, ne peux laisser passer de telles injustices. Mon devoir est de faire libérer ces prisonniers d'opinion, de faire une vaste campagne pour mobiliser l'opinion publique. Ainsi, les individus préoccupés par le respect des droits pourront adresser des lettres aux autorités les détenant. Au moins, les détenus sauront que quelqu'un, quelque part, se préoccupe de leur sort. Vite, une plume. Les prisonniers oubliés. Car aujourd'hui, Amnesty International est là.